Et bonjour à tous, c'est JoJonathan, bienvenue les amis dans cette vidéo, on va tester enfin la catégorie de Metal Cooler. Oui, ça fait extrêmement plaisir, si vous n'avez pas vu les vidéos invocation, il y en a eu deux les amis, une hier matin et puis la rediffusion du live d'hier soir. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, bouton i en haut à droite. Hein. Voilà, donc on va tester la team, hein, lignée diabolique hein, sur la globale. Bon, je suis pas trop fan du nom, hein, mais clan le plus vil, c'est pas forcément mieux. On va dire clan de Freezer, hein. Moi ça me paraît bien. Hein. Clan de Freezer, Team Freezer, je trouve ça cool. Voilà, mais même s'il y a couleur, mais voilà, c'est le clan de Freezer, tu vois, voilà. C'est son frérot, bon, même si c'est pas canon, hein, parce que c'est dans un film, mais on s'en fout. On s'en fout, et c'est très stylé. Alors, c'est vrai qu'il y a. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choix, et en même temps, il y a du choix dans cette catégorie. Après, ça dépend évidemment de la box de chacun. Mais j'ai dû... Pourquoi Univers 6 J'ai dû faire un choix pour cette vidéo, mais c'est vrai que... Bah, il y a d'autres cartes qui sont intéressantes à jouer, hein, notamment Couleur LR, hein, Couleur LR qui est pas mal. Mais j'avais pas envie de le ramener pour cette vidéo. Bon, il est pas à 100%, parce que bon, il me manque de doublons. Et... Mais il est pas mal, hein, il marche bien avec le couleur leader catégorie. Après, c'est juste qu'il a que qui plus en commun, donc pour partir en spell team, bon courage, mais juste le petit défaut. Après, il y a Freezer LR, je pense que je ferai une vidéo à part pour Freezer LR, qui a le même nom que Freezer MF. Voilà, donc c'est un peu chaud. Donc, voilà, il y a deux LR gratuits cette catégorie, pas plus, hein, pas de LR premium pour l'instant. Après, voilà, il y a Golden Tech, hein, que je ramène pas, mais qui est toujours très bon, qui va avoir son ZTVR sur la Jap. Alors malheureusement c'est vrai que Metal Cooler, dire catégorie, en fait il s'appelle Metal Cooler en fait. Je pensais au début qu'il, enfin je m'en souvenais plus trop, mais qu'il s'appelait Metal Cooler entre parenthèses, noyau machin, bidule. Et en fait non, et du coup bah tu peux pas ramener celui-là, tu peux pas ramener non plus le free-to-play puissance, hein, qui je ne sais où, voilà ici. Et donc bah c'est dommage. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Freezer GT, qui est pas mal aussi. On a le Golden gratuit, qui est pas mal aussi. Voilà, bon, après, on a fait à peu près le tour. Donc, voilà, les amis. Donc, je vais vous proposer cette composition pour cette vidéo. Je pense que j'en ferai une deuxième avec Freezer LR, Metal Cooler LR et tout ça. Pour varier les plaisirs. Alors, j'ai un doublon. Ah, pour ceux qui sont sur Twitter, vous savez, hein, voilà. Après le live, je me suis dit, on va voir si... même si on a eu de la chance, je vais quand même tenter la multi-off pour voir. Et j'ai droppé... J'ai trop perdu double, donc la chance est revenue, que ce soit en live, surtout en live, et ça fait plaisir, mais en off, elle est toujours là, hein, c'est assez impressionnant. Donc ça fait extrêmement plaisir, parce que voilà, c'est une carte que j'aime beaucoup. Voilà, dégagement, si debuff, hein, on va pas tout refaire, mais voilà, faut stacker, faut se faire attaquer pour stacker. Régénération en fin de tour, et puis la transformation. Voilà, full crit, hein. Bon, j'ai qu'un doublon, mais si vous en avez plusieurs, hein, full crit, hein, je vois pas, il debuff, mais comme c'est une carte agi, il aura déjà d'attaque sup de base, voilà, c'est le premier niveau de debuff, pas besoin non plus de se réunir en attaque sup, voilà, alors, juste un petit mot sur la carte, c'est une très bonne carte, mais tout n'est pas parfait, et notamment au niveau des liens, première chose, il a pas cruauté spatiale. Et ça, je pense qu'il y en a plein qui sont passés à côté, mais cruauté spatiale, c'est quand même vraiment gênant de ne pas l'avoir, hein, parce que dans cette catégorie, bah ils l'ont tous, hein, à part lui, ils l'ont tous, hein, donc c'est gênant, 15% attaque, c'est gênant. Et deuxième chose, il n'a pas vitesse soufflante, il n'a pas récupération, il n'a pas peur et désespoir, tous ces liens qu'on retrouve très facilement. Heureusement que la team Freezer, enfin les Freezer, ils ont le puissant des peuples en commun, parce que sinon, bon courage. Sachant qu'il avait récupération de base, mais ils l'ont changé pour agrandissement. Ouais, ok, donc tu vois, voilà, c'est une très bonne carte, mais les liens, c'est vraiment le défaut, il est au niveau des liens, et c'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais c'est pas la fin du monde, mais quand même. Bon, voilà, le reste de la team, les gars, Freezer MF, voilà, un doublon, ça fait un moment, Freezer Full Power, le monstre, à 100%, le Freezer Puissance des 250 millions avec 3 doublons, les gars, il va mettre des tartes de l'espace, je pense qu'on n'est pas prêt. Le Cooler Neo God, hein, qu'on a droppé 2-3 fois, hein, sur le portail, hein, il est au même niveau que Super 6-7, hein, ça y est, il a rattrapé Super 6-7, Cooler. Et Golden Freezer Ange, hein, voilà, que des cartes de ouf, voilà, on envoie du lourd. Allez, c'est parti les amis, Boss Rush numéro 6. Boss Rush numéro 6, et cette fois, on va le faire en entier, parce que là, c'est vraiment un showcase de team, on va en profiter. On va en profiter les amis, voilà. Donc 458 000 PV, je rappelle que Metal Cooler donne 170% de stats pour toute la catégorie, dans toutes les stats. C'est très fort, c'est très très fort. Alors les rotations, bah en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, mis à part quand même un truc, c'est que Golden... Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop ramener trop de Golden.
Golden Ange, Golden Normal, parce qu'ils ont pas boss. Alors tous les autres, ils ont boss, donc ça, je suis pas trop fan des Golden Freezer, enfin, ils sont bien, mais comme ils ont pas boss, je trouve ça un peu dommage. Donc, bref, voilà. Alors, je sais pas si on va réussir à proc la transformation, alors je pourrais peut-être faire exprès, je sais même pas comment je vais faire exprès, parce qu'il y a que des cartes de ouf dans la team, mais... on va essayer de s'arranger, hein, mais c'est chaud. Donc voilà, Freezer Full Power qui te dit, voilà, je... 2 millions en valeur d'attaque, sans le lien boss, etc. Voilà. Bon, pas de support dans la team, du coup, hein, que des cartes de malade. En même temps, support, il n'y a pas grand-chose avec Golden Endurance. Et je crois que s'il y a Metal Cooler, on va le jouer. Il n'y a pas grand-chose. Alors là, les amis. Préparez-vous pour le Freezer. J'ai pas encore testé la team, hein, les gars, donc bon, on va voir ça ensemble. Alors, les stats, bah, regardez, voilà, 90 000 en def. 83 000 pour couleur sans le lien boss. Hein. Sans le lien boss, donc avec boss, je pense qu'on tape les 100 000. Enfin, de toute façon, c'est ça, hein, 20%, 25%, on tape les 100 000 en def. Alors là, les gars, préparez-vous parce que le Freezer, je rappelle qu'il faut qu'il prenne une attaque pour avoir un boost de 120%. Donc en gros, le Freezer là, il vient d'obtenir une valeur d'attaque supérieure à Freezer Full Power 100% ZTUR. Voilà, voilà ce qui vient de se passer. Ok. Ok. Deuxième rotation, je pense qu'on va faire Freezer MF et... en fait, ça va trop de régène, ça va être... Ça tue une dinguerie ce truc. On va faire Freezer MF et Metal Cooler. Ouais, non, mais ok. Alors, l'ami leader, il a deux doublons. Voilà, deux doublons. Donc, voilà, c'est sympathique, deux doublons. Ah, cette attaque spé qui est magnifique. Elle est sublime, les amis. Elle est sublime. Alors, c'est pas évident de prendre Cauchemar et Ambition de Conquête en même temps. Il y a personne qui propose ça dans la catégorie. Souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est un petit peu dommage, mais bon. On fait comme on peut. Alors, Metal Cooler, de base, au début du combat, il fait des dégâts corrects. C'est pas non plus incroyable, mais le truc, c'est qu'il est très fort défensivement, en régénération et compagnie. Mais dès qu'il commence à se faire attaquer plusieurs fois, les dégâts, ils montent. Bah, tu vas le voir. De toute façon, les dégâts, ils commencent à monter assez drastiquement. Ah non, t'es sérieux? Non, mais non, j'ai pas de ki. Non, tu vois. Tu vois, l'unique qui est plus 2, quand même, c'est quand même un défaut qu'il faut noter. Ah, c'est dommage, regardez toutes les attaques que je prends. Bon, je vais quand même rester comme ça pour qu'il puisse stacker, parce que c'est un peu dommage. Bon, on va voir comme le Freezer ce qu'il vaut sans son passif, hein, parce qu'il n'aura pas tout le temps. Donc voilà, Metal Cooler très fort, mais quand même de gros défauts, hein, les liens de ki et puis cruauté spatiale qu'il a pas. C'est quand même chaud qu'il ait pas cruauté spatiale, quoi. C'est quand même. Dans tous les cas, il aurait bloqué ma SP, comme ça c'est réglé. C'est quand même incroyable qu'il ait pas cruauté spatiale, mais bon. Ok. Prochain tour, ça va faire mal. Hein. 1,3 million quand même, 1,3 million pour le Freezer de 150 millions, même sans son passif supplémentaire. 1,3 million, bah écoutez, c'est pas mal, hein. 1,3 million, c'est pas mal. Ah oui, d'accord, 2,6 millions. Vous avez vu ou pas la valeur d'attaque, 2,6 millions. Parce qu'en fait, il a pris une attaque, donc ça s'est rajouté après. Donc en gros, il aurait dû partir à 2,6 millions là en valeur. Ok, 2,6 millions, hein. 2,6 millions, les gars. Je sais pas si. Regardez la régénération, les gars. Regardez-moi cette régénération de malade. Voilà. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les amis. Même si on perd des PV. On a tellement de régénération de partout que c'est assez impressionnant. Après, l'aspect, elle est magnifique, une des plus belles du jeu, hein, clairement. Ok, non mais d'accord, d'accord. Cette team, c'est vraiment un plaisir, un pur plaisir, quoi. C'est un bordel. Alors, je vais essayer. Ou alors, je vais Metal Cooler. Non, je vais essayer Metal Cooler. Je vais essayer de proc parce qu'il a pas tout stacké là, parce que enfin je crois pas qu'il est bloqué, c'est 7 fois, je crois pas qu'il est bloqué 7 fois, quoique. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il a bloqué 7 fois? Je pense pas qu'il est bloqué 7 fois.
Ah non, par contre, faut pas qu'il me re... Je sais plus s'il bloque l'aspect en agilité. En magie. Bon. Voilà. Quasiment 2 millions sans le lien boss. T'ajoutes à ça la régénération et puis voilà. Puis la DF, voilà, c'est très très bon. On n'a pas le lien boss. 1 million 5, on l'a peut-être. Ah non, c'est cruté spécial, je crois. Oh là là, 2 millions, oh là là, les gars. Cette team, c'est un braquage, en fait, cette team. C'est un bordel. C'est un bordel, les amis. C'est trop fort. Trop fort, trop de régénération, trop... Enfin, non, là, c'est pas permis d'être aussi fort. Bon, tu vois, encore le ki qui nous fait défaut, là. Encore une fois. Donc, non, tout n'est pas parfait. Voilà, vraiment, le link set qui est bon, mais qui a quand même de gros défauts, hein, il faut le dire, mais bon. Attends. Il vient pas d'esquiver, là? J'ai peut-être rêvé, mais attends, mais... J'ai pas mis d'esquive par erreur, quand même. Moi, j'ai peut-être rêvé, en fait. J'ai peut-être rêvé, les gars. J'ai cru voir une esquive, mais... J'ai dû rêver. Attends, c'était le mien, en plus. Ouais, non, ouais, j'ai dû rêver. Ok. Ok, hallucination, ok. Bon, tout va bien. Tout va très bien. Des hallucinations, normal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde couleur? Bon, vous savez quoi? On va regarder couleur. On va changer un petit peu. On va regarder couleur. Alors, ça qui est bien, c'est que tu peux varier la team un peu comme tu veux. Hein, c'est libre. Tu fais ce que tu veux, quoi. Ok, Dokkan Mode. Voilà. Tout le monde a le plus puissant des peuples. Sachant que les autres, ils ont d'autres liens en commun. Souvent, vitesse époustouflante, etc. Mais voilà, tu fais ce que tu veux. Hein, tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est génial dans cette team. Ok. Bon, bah, le Dokkan Mode qui risque de picoter. Donc, c'est génial. C'est. Voilà, tankiness, régène. Gros dégâts. Couleur 1,6 million. On n'arrive même pas à proc boss. Hein, c'est chaud. Hein. Alors, vous en faites pas. Vous en faites pas, quand on va tester le batteur d'extrême, on va proc boss, t'inquiète pas. Mais voilà, j'ai hâte de tester en batteur d'extrême, je pense qu'on fera ça en live ce soir. J'ai hâte de tester ce que ça va donner, clairement. Ça risque d'être assez intéressant. Bon, Freezer MF, Freezer MF. Et la régénération en fin de tour, c'est très intéressant. Notamment en Battle Road, si genre tu viens de mettre un item, bah tu te régènes qu'à la fin. C'est plutôt cool. Ok, Freezer MF. Ah oui, bref, oui, c'est vrai que. C'est vrai que cet enfoiré il va esquiver. Enfin là, ça va, c'est pas la phase. Après, genre, on va mettre la flûte, les gars, on va mettre la flûte, hein, évidemment, on est pas fou. On va mettre la flûte, hein, on va pas se prendre la tête. Ok. Ok, les dégâts. Alors, là, double flûte de tapion, parce que sinon, on n'a pas fini, hein, clairement. Donc, on va pas perdre de temps. Hop. Alors, est-ce qu'on va réussir à le toucher? Bonne question. Est-ce qu'on va réussir à le toucher? Alors, est-ce qu'il faut sortir un LR pour cette catégorie, à un moment donné? Je sais pas. Moi, je vous ai dit, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'aimerais bien un couleur qui se transforme. Un couleur basse forme qui se ressemble en forme finale sous la cascade. Mais bon, souvent les LR n'ont pas de transformation. Enfin, c'est rare, sauf les LR de Canfest. Donc bon, je pense pas, mais... Mais bon, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a que... Il y a deux LR gratuits, voilà. Il n'y a pas de LR premium. Donc bon, c'est possible à l'avenir. Après, la catégorie est déjà très forte. Même sans ça, même, tu vois, là, on n'a même pas de LR... Mais en même temps, est-ce que c'est si intéressant que ça de jouer les LR? Parce que... Le truc, c'est que comme, bah, je l'ai dit, hein, c'est que comme il n'y a que Ki+2 avec le leader, bah les LR pour l'aspect ultime, c'est chiant en fait. C'est pas évident. Donc, est-ce que c'est si intéressant que ça de jouer ces deux LR qui n'ont pas de facilité pour partir en spé, tu vois? Bah pas forcément en fait, c'est pour ça que je les ai pas ramenés de base. On les testera quand même, mais c'est pour ça que je les ai pas ramenés à la base.
Est-ce qu'on laisse le freezer 250 millions? Allez, on va laisser. On va le laisser. On va faire tourner un peu les rotations. Même si on regarde pas Metal Cooler, c'est pas grave. Voilà, on prend 0 dégâts. 2 millions 4. 2 millions 4, s'il te plaît. Je vais me casser, moi. Je peux plus voir ce genre de truc. Hein. Un TUR lambda qui a 2 millions 4 en valeur d'attaque. Moi, je me casse. Hein. Bon. Voilà, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas lien boss. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais. Ouais. Non, mais. Imagine seulement si on a le lien. Imagine avec le lien boss avec un support. Bah, je pense qu'on dépasse les 3 millions en valeur d'attaque. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Voilà. 3 millions en valeur d'attaque, ok. Ok. Bon, pour ce fight, on va sacrifier couleur pour ce fight. Et une fois qu'ils vont revenir, on va les garder. Voilà, qu'on joue un peu les autres unités aussi. Mais non, mais voilà, c'est cette catégorie est vraiment ultra pétée. Et bim. Voilà, c'est. Ouais. J'ai plus les mots, les gars. J'ai plus les mots. Je sais pas quoi vous dire, c'est tellement. Tellement craqué. Alors oui, en plus, il avait pas tous ses liens, là, le Freezer. Hein, parce que. Alors ce qui est bien, ce serait d'atteindre la forme finale avec Freezer MF. Comme ça, il y a tous les liens qui proc, ils ont le même Lixette. Mais les combats sont trop rapides. Les combats sont beaucoup trop rapides. Ça va trop vite. Si on faut tester face à Abou MF. Le combat dure 3 ans. Donc ça pourrait être jouable. Sinon c'est un peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué. Golden Ange, hein. 1,7 million les gars, ça tabasse. Hein. Alors lui il a pas le lien boss, donc dans tous les cas. Voilà, mais 1,7 million hein, en même temps Golden Ange, hein, je rappelle qu'il a 150% de boost d'attaque. Hein. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier, mais. Et ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Bon bah je pense qu'on procrera pas boss les gars, mais on peut pas en fait. C'est en fait même en le voulant, c'est quasiment impossible en fait. C'est quasiment impossible. Donc dis-toi que les dégâts que tu vois, tu peux rajouter 25% en plus. Ah, parce que le lien proc à la fin. Donc là tu peux rajouter 25% sur les dégâts que tu vois. Pour avoir les valeurs max. Donc bah 25%, ouais, bah c'est beaucoup hein. Un quart sur la valeur finale, je t'assure que ça fait beaucoup. Par exemple, tu prends couleur, 1,5 million, tu rajoutes 25%. Et bah, tu peux rajouter 300-400 000. Donc, couleur serait à 2 millions. Voilà. Sans support. Comment te dire? C'est quand même quelque chose. Hein. Alors là, il faudrait qu'on mange une attaque SP. Et encore, je sais même pas si ça suffirait. Ouais, je suis pas sûr. Pas sûr que ça suffise, en fait. Hein. Même si je mange juste de végétaux bleus. 2 millions 4, les gars, il n'y a pas le lien boss, sérieux. Il n'y a pas le lien boss et il n'y a pas tous les liens d'attaque. Il n'y a pas le lien boss, il n'y a pas tous les liens d'attaque, il n'y a pas de support. Mais c'est n'importe quoi ce Freezer. Puissance. C'est affolant quand même. Hein, Ils ont craqué avec cette carte. Hein. Ils ont vraiment craqué. Hein. Dis-toi qu'il a deux fois la valeur du Metal Cooler AJ quand même là. Hein. C'est n'importe quoi. Ils ont vraiment craqué avec cette carte. Hein. C'est affolant quoi. C'est lui qui a les plus grosses valeurs. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais. C'est assez impressionnant, les amis. Hein. C'est très très impressionnant. Tu vois, pareil, Freezer Power, tu rajoutes 25%, bah tu rajoutes 500 000. Oui. Un peu moins, mais quasiment. Enfin, non, si c'est ça, 500 000. Oui, c'est ça. Donc 2 millions 6, normalement, Freezer Full Power. Sans support. Donc quasiment 3 millions avec un support. Ok, non mais ok. Alors d'ailleurs, voilà, tu peux très bien jouer la catégorie sans mettre Metal Cooler dans la rotation. Après, ce qui est bien de le garder, c'est comme il stack et tout, mais. Et vu qu'il régène, mais tu veux jouer tes rotations, d'autres rotations, t'es obligé de garder Metal Cooler. Hein, c'est vrai que des fois, certaines catégories sont un peu. Limité, enfin pas limité, mais disons que le leader est tellement fort comparé au reste que t'es obligé de le garder, entre guillemets. Alors que là, bah non, en fait, tout le monde est fort, donc
T'es pas obligé de garder en fait. Tout le monde est très fort, donc c'est pas un problème. Regardez Freezer MF. Tout le monde est tellement fort que tu peux faire les rotations que tu veux en fait. C'est... Voilà, tout le monde fonctionne avec tout le monde. Y a aucun problème, synergie parfaite. En même temps, logique. Hein. Plan de Freezer, logique. Hein, ça paraît totalement logique. Freezer MF, j'arrive même pas à aller à la troisième phase quoi. Et ce Freezer, même sur son passif, il est pas ridicule. Hein. 1 million 2, c'est pas mal. Hein. Il est pas ridicule. C'est moins impressionnant, mais bon, c'est un TUR lambda. Hein. C'est pas un Dokkan Fest. Deux à une seule attaque. Trop de régénération, les amis. Trop de régénération. Trop de. Oui. Bah ouais. Non mais ok, bah. Ou alors ouais, bah on testera. Ah genre bateau d'extrême, ça va être chaud. Enfin. On va prendre. Là les dégâts on va les prendre. Hein. Mais peut-être aussi sur le Dokkanemon de Metal Cooler. Hein. C'est vrai que la phase où il y a 5 adversaires, on prend cher quand même. Il y a moyen. Nanana. Freezer MF. Freezer MF. Regardez-moi ces stats. Sans le lien boss. Rajoute le lien boss. Et ça devient totalement craqué. En fait, tu rajoutes le lien boss. Tout le monde a 100k def. Oui. Ouais. Sauf Golden Ange, mais les autres ils sont tous sans KDF. Normal. Logique. Ah, puis cette attaque SP, les gars, cette attaque SP qui est juste sublime. Hein. Magnifique. Bim Rosé, rentre chez toi. Désolé, Rosé, de te faire du mal, mais j'ai pas le choix, frérot. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Bon, est-ce qu'on tenterait pas. Le lien boss. Alors si je prends une spé de rosée, peut-être que je peux proc boss. Peut-être. Bon bah c'est mort. Et bah c'est mort les amis. Et bah c'est mort. Oui, donc je rappelle aussi que je vais vous faire gagner une carte de 20€ aujourd'hui ou demain. Enfin je verrai si je fais le tirage au sort ce soir ou demain. Voilà, ça se passe sur Twitter comme d'habitude les amis, donc n'hésitez pas à passer. Je ferai le tweet dans la matinée, enfin je le ferai peut-être juste après d'avoir mis la vidéo. Donc voilà, il suffira de RT et de me suivre hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, ça me fait plaisir. Vous savez quand je drop, ça me fait plaisir aussi de vous faire plaisir. Donc voilà, c'est cadeau. C'est cadeau. Ok, bon bah Rosé, tu vas rentrer chez toi. Hein. Tu vas rentrer chez toi. Voilà, vite fait, bien fait. Hein. On a pas sorti grand chose. Salut Rosé. Passons à Végéto bleu. Ah mais non, on a déjà. Ah non mais non en fait je suis bête, on a déjà souillé Végéto bleu. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et encore, je suis en vidéo, mais ça va trop vite. Bon, est-ce que ce boss est un peu plus long? Est-ce qu'on peut aller plus loin avec Freezer MF? Je sais pas. Pose la question. Je sais pas si c'est possible, hein, mais bon. Le petit debuff. Il y a toujours cette team. Hein, parce que le Metal Cooler debuff, Golden Ange il debuff aussi sur le passif, régénération, dégâts, torquiness, il y a tout. Il y a absolument tout. Alors peut-être que ouais, ça manquerait, enfin. On parle à d'autres catégories, des fois qu'on a des LR Premium craqués, ça manquerait d'un LR Premium, enfin ça manque. On peut pas vraiment dire que ça manque, mais c'est sûr que un gros LR Premium, oui, c'est extrêmement fort, tu vois, mais bon. On peut pas dire que ça manque, mais disons que oui, c'est sûr que ça, c'est genre ça serait la cerise, tu vois. La cerise sur le gâteau, quoi. Bon, enfoncer le clou un petit peu plus loin, quoi. Ah, l'attaque SP, peut-être que... Peut-être que je peux proc boss. Non. Non, c'est bon. C'est foutu.
Ok. Non mais d'accord, ok. Bon, Freezer, est-ce que je vais voir la troisième forme de Freezer MF? Je me pose la question. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a moyen? Franchement, les amis, je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de proc le lien boss et de voir la troisième forme de Freezer? Non, non, on devrait l'avoir. Non, on va l'avoir. Mais troisième forme, pas plus. Y a rien à dire, je suis sans voix. Oh bah non en fait non, bah non, non en fait non, non en fait on va peut-être pas voir la troisième forme en fait. Hein. Non mais. Si bon je pense pas qu'on voit one tour Gogetel, mais. Encore que. Encore que. Je pense pas, mais je pense pas qu'on va one tour en Gogeta LR. Alors si Freezer Puissance avait encaissé une attaque, peut-être, avec un bon crit, mais peut-être une double attaque, mais là non, non, je pense pas. Faut pas non plus déconner. On va pas le tuer, mais bon. Ah, peut-être que je vais enfin prendre assez de dégâts, peut-être. Parce que Gogeta on peut pas le debuff. Ah! Je crois que j'ai le lien. Non, non, j'ai pas le lien boss. Non, toujours pas. Non, 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 toujours pas. Mais arrête! Mais non! Bon, bah écoutez, bah voilà, one tour de Gogeta. Voilà. Voilà, voilà. Donc je sais pas ce que je te disais, hein. Si Freezer était devant, voilà, mais même comme ça, petite attaque sup et puis... Ok. Ok. Bon les amis, la conclusion, je pense que tu l'auras compris, hein, cette team elle est extrêmement complète, très forte. Tankiness, dégâts, régénération, debuff, il y a tout. Il y a tout. Maintenant, en battle d'extrême, on va voir ce que ça vaut parce que... Même si on est bien, ça reste du Dokkan Event. Et en Battle Road Extrême, on prend très 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 cher. Et même 100k def, c'est pas. Enfin, on prend quand même cher avec 100k en défense. Mais bon, avec toute notre régénération, sachant qu'on va, en plus on va proc le lien boss, tu vois. Mais voilà, avec toute la régénération, tout ça, et à mon avis, je pense que ça va le faire. Après, faut voir. Facilement, etc. Mais après, le Battle Road Extrême, c'est un des plus compliqués. Mais bref, on testera ça très certainement ce soir, en tout cas, ouais, en l'état, la team est vraiment ultra forte. Y a rien à dire, rien à dire. Bon, je ferai un petit showcase avec Metal Cooler et Freezer LR, je pense, pour le fun. Enfin, surtout pour Freezer LR, enfin, je suis curieux de voir les dégâts qu'il aura dans cette catégorie. Mais voilà, voilà les amis, hein, voilà. Donc sur ce, on va s'arrêter là. N'oubliez pas la petite instant soutien, pouce bleu. Si ça vous a plu, les amis, hein, dites-moi ce que vous pensez de la team. Moi, je suis sans voix dans les deux sens du terme, parce que je suis encore malade. Mais enfin bref, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas fait, les gars. Bientôt les 35 000, les gars. Peut-être ce soir les 35 000 abonnés. Merci à tous. 55 abonnés à ce moment T précis. Abonnez-vous les amis et puis n'hésitez pas à passer sur Utip hein, en pack pour le prochain portail. On ne sait pas c'est qui. Est-ce qu'ils vont mettre Black Goku? Est-ce qu'ils vont mettre autre chose? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Après Black Goku c'est très bizarre parce que le portail c'est le même que Vegeta MF. Enfin presque. À moins qu'ils changent le portail. Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais, on verra bien. De toute façon on est qu'au début de la célébration au Metal Cooler. Donc voilà. Bon les amis, bonne journée à tous. A tout à l'heure. Tout à l'heure il y aura une vidéo guide pour l'event Metal Cooler par rapport au... On met une couleur gratuite pour vous montrer comment les farmer efficacement et puis pourquoi pas quoi mettre dans l'arbre. Donc à tout à l'heure pour cette vidéo et à tout à l'heure. À ce soir pour le live. Allez, des bisous à tous. Salut.